contrir les parents. Et au travail, il devrait y avoir honte. De grandes sottes qui ne peuvent même pas faire un problème. Oh, vous vous faites trop de soucis. Ben, si elles ne peuvent pas faire leur problème, eh bien, que voulez-vous? Elles ne peuvent pas. Le mieux est d'en prendre son parti. Oh, c'est ce que je fais. Au lieu de perdre leur temps à des gribouillages. Mais en voilà assez. On n'a pas de compte à rendre aux chiens, allons-nous-en. Et vous? Tâchez de ne pas vous amuser. Si le problème n'est pas fait ce soir, tant pis pour vous. Les bois de la commune ont une étendue de 16 hectares. Sachant qu'un art est planté de 3 chênes, 2 hêtres et d'un bouleau. Combien les bois de la commune contiennent-ils d'arbres de chaque espèce? Ayant appris l'énoncé par cœur, il y réfléchit très longtemps. Ah, parfois il faisait remuer ses oreilles et les petites avaient un peu d'espoir. Mais il dut convenir que ses efforts n'avaient pas abouti. Oh. Ne vous découragez pas! Le problème a beau être difficile, on en viendra à bout. Le cochon qui était resté planté au milieu des arbres avisa soudain qu'il n'avait pas terminé sa besogne. Mais comme il ne savait plus où il en était, et ben il lui fallait tout recommencer. Et comme il hésitait sur la conduite à tenir, il vit arriver le canard et la petite poule blanche. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Ça n'était pas la peine tout à l'heure de vous en faire le fier et le redresser pour tout laisser en pleurs. Il a fallu que le canard et moi nous partagions votre travail. Au retour des champs. Les parents virent Delphine et Marinette qui jouaient dans la cour. Est-ce que vous avez fait votre problème? Oh oui, répondirent les petites. Mais il nous a donné du mal. Ça a été un rude travail, et c'est pas pour me vanter, mais dans les bois de la commune. Marinette réussit à le faire taire en lui marchant sur le pied. Les parents le regardèrent de travers en grommelant que cet animal était de plus en plus stupide. Et j'ai dire aux petites, ce n'est pas tout d'avoir fait le problème. Il faut aussi qu'il soit juste. Je vais lui découdre la panse. Passant sous la chaise où était assise sa maîtresse, il la souleva de terre et l'entraîna un moment dans sa course. Celle-ci s'en trouva bientôt ralentie. Il a été fini. Marinette en profitèrent pour essayer d'apaiser le sanglier, lui, rappelant la promesse qu'il avait faite de ne pas troubler la leçon. Pardonnez-moi. J'étais un peu vif. C'est quoi un nectar? On ne sait pas de ce côté. Alors c'est quoi un art? Bah, si on ne sait pas ça, on ne peut pas résoudre le problème, enfin. Les arts et les hectares sont des mesures de surface. Un hectare est égal à... 100 arts. Merci, bravo. On ne vous l'a pas dit? Mais si, on vous l'a dit, mais vous n'écoutez rien. Bon, maintenant, si un hectare est égal à 100 arts, 16 hectares est égal à combien d'arts, cochon? Oui. Bah, un hectare est égal à 100 arts, 16 hectares est égal à 1000 si? Oui. 1000 si? 1600! 1600! Oh, bravo! Merci, ouais, merci les gars, merci! Ouais. Mais on vous a soufflé! Non! Ah.
bois de la commune où je m'étendue.